C'est très visible. Parce que la borne 001, construite en 1950, se trouve très loin du bord du fleuve. La toute première borne. Mais quand vous arrivez là, vous ne saurez pas qu'ici il y a une borne. Parce que c'est pratiquement à même le sol. Et puisqu'il y a beaucoup d'eau, vous ne pouvez rien savoir. Et là, on a construit une borne de repérage pour dire que dans ce, ici là il y a une borne. Et puis quand vous quittez la première borne, vous remontez pour retrouver la deuxième borne, la borne 54002, c'est très loin. Et lorsque les populations circulent, on ne peut pas savoir qu'ici nous sommes dans une zone frontale. Donc c'est ça la densification. Il y a des bornes principales, il y a des bornes intermédiaires pour écourter les distances entre. Et les géodésiques que vous avez indiquées tout à l'heure, les bornes sont... géodésiques, ça, oui, oui. Ça, c'est quoi À quoi ça sert Oui. Oui, les bornes géodésiques, c'est pour nous aider et se implanter dans les deux pays. Deux en RC, deux autres en RDC. Mm-hmm. C'est pour nous permettre de calculer avec précision les coordonnées des bornes frontières. D'accord. C'est-à-dire que même si cette borne demain disparaissait, mm-hmm. à partir des deux bornes mm-hmm. géodésiques, okay. on sait qu'à partir d'ici, on compte autant de mètres pour arriver au milieu de la frontière. Donc, à la borne. Et ça va comme ça. Oui, oui. Il y a une autre ça, sur la piste de Manyanga. C'est à 500 mètres. On va aller à 500 mètres. Oui. Voilà, c'est un moment historique. Une photo sera prise devant la borne. Une photo de famille pour immortaliser ces instants. On se met là. Ouais, on se met là. On s'est perdu. Les experts qui ont abattu un travail remarquable sont invités. Si c'est bon, vous reculez. Chers frères, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, ici représenté, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des CEEAC, Messieurs les gouverneurs de la province du Congo central, Messieurs les préfets du département de Poule, Messieurs les préfets, les sous-préfets du district de Lumo, Messieurs l'administrateur du territoire de Luozi, Messieurs et Mesdames les autorités locales, Messieurs les experts de la commission technique mixte, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Les frontières sont indispensables à la paix et à la sécurité.
là où elles sont fermement acceptées, elles permettent des relations pacifiques et profitables avec les voisins, ainsi qu'une croissance socio-économique. Là où elles sont controversées, elles suscitent des conflits, détruisent des vies humaines et ravagent des pays. À l'entame de ces mots, je voudrais remercier le gouvernement de la République de la République du Congo pour l'accueil chaleureux qu'il a bien voulu réserver à ma personne et à la délégation qui m'accompagne, ainsi que pour les commodités offertes pour l'organisation de la présente cérémonie. C'est ici le lieu pour moi de rendre un hommage différent à leurs excellences, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont autorisé les débits effectifs des travaux et la tenue de la présente cérémonie afin de permettre à la commission technique mixte de poursuivre les travaux de démarcation sur la partie restante de la frontière terrestre. De l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, chef de la délégation de la République démocratique du Congo, chers frères. Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne au Congo, Monsieur le représentant de la CAC au Congo, Monsieur le conseiller du chef de l'État aux affaires intérieures de la République du Congo, Messieurs les préfets, Monsieur le gouverneur du Congo central en République démocratique du Congo, Madame la secrétaire générale du département du Pôle, Monsieur le chef de projet APF, CAC, GIZ, Monsieur le sous-préfet du district de Luomo, autorités civiles et militaires des deux pays, en vos rangs grades et qualités, toutes préséances respectées. Mesdames et messieurs les experts des deux pays, chères populations de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, vivant de part et d'autre de la frontière terrestre commune, mesdames et messieurs, à cette heureuse et historique circonstance au cours de laquelle les deux républiques sœurs du Congo et de la République démocratique du Congo, après plusieurs rencontres, matérialisent leurs frontières communes terrestres par sa démarcation.
Non, c'est très visible. Donc ici, ce sont les sur la ligne. On va voir qu'on a deux massacres. Les eaux qui vont de ce côté vont baisser. Les eaux qui vont de ce côté vont. Borne frontière principale. C'est la référence. Et après, il y a des bornes intermédiaires pour écourter la distance. Parce que la borne 001, construite en 1954, se trouve très loin. Le bord du fleuve. Le bord du fleuve. La toute première borne. Mais quand vous arrivez là, vous ne saurez pas qu'ici, il y a une borne. Parce que c'est pratiquement à même le sol. Et puisqu'il y a beaucoup d'eau, vous ne pouvez rien savoir. Et là, on a construit une borne de repérage pour dire que dans ce, ici, là, il y a une borne. Et puis, quand vous quittez la première borne, vous remontez pour retrouver la deuxième borne, la borne 54002, c'est très loin. Et lorsque les populations circulent, on ne peut pas savoir qu'ici, nous sommes dans une zone frontalière. Donc, c'est ça la densification. Il y a des bornes principales, il y a des bornes intermédiaires pour écourter les distances. Et les géodésiques que vous avez indiquées tout à l'heure, les bornes géodésiques, ça, oui, oui. Ça, c'est quoi? À quoi ça sert? Oui. Oui, les bornes géodésiques, c'est pour nous aider et se implanter dans les deux pays. Deux en RC, deux autres en RDC. C'est pour nous permettre de calculer avec précision les contours des bornes frontières. D'accord. C'est-à-dire que même si ces bornes demain disparaissaient, à partir des deux bornes géodésiques, on sait qu'à partir d'ici, on compte autant de mètres pour arriver, au milieu de la frontière. Donc, à la borne. Et ça va comme ça. Oui, oui. Il y a une autre ça suit la piste de Manyanga. C'est à 500 mètres. Voilà, c'est un moment historique. Une photo sera prise devant la borne. Une photo de famille pour immortaliser ces instants. On se met là. Ouais, on se met là. On s'est perdu. Les experts qui ont abattu un travail remarquable sont invités. Si c'est bon, vous reculez. Je vous salue tous. Au nom du gouvernement de la République du Congo, ainsi qu'à celui de toute la délégation de mon pays que j'ai l'honneur de conduire, et je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces lieux que nous avons en partage. L'objectif de cette rencontre est simplement de rendre visible notre frontière terrestre à la fois pour répondre à nos aspirations légitimes de souveraineté et aux exigences de l'Union africaine qui ne cesse d'appeler les États à démarquer leurs frontières.